J'ai essayé de vous revenir un peu. En fait, j'ai essayé de vous refaire un petit peu la démarche. Il y en a qui sont là depuis longtemps avec nous, donc je les inviterai à compléter à un moment ou à un autre si ça les tente. Mais un petit peu pourquoi, c'est quoi le modèle? C'est quoi les origines du modèle et pourquoi on a fait certains choix? Parce qu'il y a certains choix importants qui ont été faits sur la façon dont on procède à la fois au recrutement, à la fois à la formation, puis aussi, bien entendu, à la façon dont vous êtes intégrés, on est tous intégrés dans les cours. Et c'est ça qui fait la particularité de ce qu'on appelle le modèle de Montréal. Alors, juste pour commencer, quelle est la première question, à votre avis, qui m'a été posée le 23 septembre 2010 quand on a présenté les prémices du projet au conseil de la faculté de médecine? Combien? L'argent? Pourquoi? Combien de patients vous avez rencontrés? Combien de patients on a rencontrés? Pourquoi? Combien ça va coûter? Vous n'avez pas peur? Ça n'a pas d'allure, c'est un rêve. Ça n'a pas d'allure, c'est un rêve. Non, on n'a pas eu ça non plus. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui non plus? J'avais le doyen à côté de moi, donc c'était plus compliqué d'avoir ces questions. Oui. Pourquoi, à quoi ça sert? Non. Pourquoi changer les choses? Pourquoi changer les choses? Est-ce que les étudiants auront des crédits? Est-ce que vous n'avez pas peur? J'ai pas peur, non. Non, okay, vas-y. Sortez de mon bureau. La première question qui a été posée, elle a été posée par le chef du département de chirurgie, qui est devenu d'ailleurs un de nos premiers alliés par la suite. C'était: Vincent, c'est très beau tout ça, mais il va falloir que tu nous expliques c'est quoi l'expertise d'un patient. Et ça, c'est la base. Ce qu'on appelle le modèle de Montréal, la base, c'est la reconnaissance des expertises, des savoirs, des compétences des patients. L'expérience qu'on fait globalement, c'est cette expérience-là. C'est l'enjeu majeur de tout ce qu'on fait, c'est de faire la démonstration que les savoirs qu'on développe à travers la vie avec la maladie sont des savoirs utiles pour nous-mêmes, mais utiles aussi à différents niveaux du système de santé, que ce soit en éducation, que ce soit dans la qualité, que ce soit dans la recherche, etc. Donc ça, c'est la base. Le problème qu'on a, c'est aujourd'hui, vous faites une recherche dans PubMed, qui est la grosse base de données des articles en santé. Vous prenez les 10 dernières années, vous tapez « savoir patient » ou « catégorisation des savoirs patients » et vous n'allez rien trouver. Rien. Donc ça fait des décennies que le système de santé avance dans son évolution sans se poser véritablement la question de savoir exactement quels sont les savoirs, quels sont spécifiquement les savoirs qu'un patient développe au cours de la vie avec la maladie. Donc nous, notre cœur, notre clé, c'est ça, c'est cette démonstration-là. Une grande partie de ce qu'on fait est mobilisée là-dessus. Pourquoi et comment ça se fait que ça rentre dans une logique de partenariat? Parce qu'un partenariat, c'est quoi? C'est avant tout une complémentarité des savoirs, une reconnaissance mutuelle des savoirs. Donc si dans les partenaires, il y en a un qu'on reconnaît et on sait à quel point on reconnaît et la société reconnaît le savoir des professionnels de la santé, hein, c'est valorisé, on est dans une société qui valorise l'expertise. Bien entendu, on valorise l'expertise du médecin, mais on valorise beaucoup l'expertise des professionnels de la santé en général qui ont des très bonnes formations. Mais bien entendu, quand on amène le patient et qu'on revendique un statut de partenaire, la question de fond de notre savoir et de la validité de nos savoirs, bien entendu, est essentielle. On n'y répond pas, il n'y a pas de partenariat. Là, c'est complémentarité et interdépendance. On va construire quelque chose ensemble parce qu'on va échanger des savoirs et on va partager des savoirs qui vont permettre une création collective. Donc ça, c'était super intéressant quand même qu'il commence par ça. Hein? Puis quand vous connaissez peut-être le schéma d'avant? Bon, je ne vais pas revenir sur ces schémas que vous connaissez bien, que vous avez tous expérimenté dans le cours CSS, mais c'est vraiment ça, par exemple, qui fait la distinction entre les approches centrées et les approches en partenariat. Les approches en partenariat, ce qui fait que le patient il est passé du centre à l'intérieur du cercle, reconnu comme un membre à part entière de l'équipe de soins, c'est parce qu'on lui reconnaît un savoir compétent qui fait en sorte qu'il est inclus comme actif dans le processus de soins. On sait qu'on, de toute façon, à partir du moment où on devient patient, on est actif. C'est un des grands mythes de la santé qui s'est construit sur une espèce de perception que le patient est passif et finalement, en bout de ligne, ne fait que recevoir des soins. On sait que même la dénomination de soignant-soigné est une absurdité. Ça ne devrait même pas exister. Il n'y a pas de soignant-soigné. On se soigne nous-mêmes. Nous sommes des soignants autant que des soignés. Mais pour que ça soit capable de sortir de cette espèce de incompréhension,
de ce truc, d'espèce de mythe qui s'est construit avec le temps, parce que la santé s'est construite comme un système de savant. Il faut absolument que les savoirs patients soient reconnus à leur juste valeur et qu'on soit capable de faire la démonstration de leur valeur ajoutée dans différents niveaux. Et c'est ça que vous portez. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Ce qu'on apporte nous en tant que patients formateurs ou quand on est impliqué ailleurs, ce n'est pas notre avis, ce n'est pas notre opinion, ce n'est pas notre agenda. Ce qu'on apporte, c'est nos savoirs. Et ce qu'on veut arriver à faire, c'est faire la démonstration, effectivement, que ces savoirs sont extrêmement importants pour l'évolution du système de santé. Et de toute façon, il n'y a pas de stress à avoir là-dessus parce que c'est évident. C'est sûr que ça a une valeur ajoutée. Vous imaginez quand même que l'industrie de la santé est la seule, et je prends à large le réseau tout le monde, est la seule industrie dans l'histoire du monde moderne qui s'est définie pendant 50 ans sans l'expertise de ses clients. Et après, on se demande pourquoi c'est la merde. C'est simple. Il y a quelques temps, avec Caroline Wong, on a été rencontrer Isabelle Desmarais, donc pour des questions de philanthropie. On cherche des fois un peu d'argent. Et je connaissais Isabelle Desmarais dans mon ancienne vie et je savais que j'avais comme 10 minutes pour faire le point. Et puis, c'était de savoir la voie de passage, que notre affaire, ce n'est pas très facile à expliquer en 10 minutes. Là. Vous avez déjà certainement expérimenté ça avec votre réseau. Ce n'est pas un truc facile. Les gens, ils ont du mal, alors que c'est évident, mais ce n'est pas facile à expliquer. C'est pour ça que je dis souvent, c'est complexe, mais pas compliqué. Et donc, c'est ça que je dis. Je dis, qu'est-ce qui se passerait avec un secteur, une industrie qui se définirait sans ses clients? Qu'est-ce que ça donnerait? On dirait que ce serait un monopole, ce serait catastrophique. Au bout d'un moment, elle perdrait son sens, puis ça deviendrait complètement dysfonctionnel. Ben, voilà. Alors, et ce qui tient le système de la santé, par exemple, et ça, c'est vraiment important, c'est l'expertise des individus. C'est que la réalité, la solidité, on sait que nos professionnels de la santé ont de l'expertise et sont compétents. Maintenant, dans le cadre du système en lui-même, parce qu'ils subissent la même dysfonctionnement que nous, les patients, et c'est là où on se rejoint comme partenaire. Là, c'est une autre question. Et ce qui nous tient, effectivement, ce qui tient tout le monde, c'est l'expertise, la compétence des professionnels. Et maintenant, donc cette reconnaissance des savoirs patients, elle est au cœur, elle est extrêmement importante et vous devez avoir ça en tête tout le temps parce que c'est ça la démonstration qu'on fait. À partir du moment où on dépasse cette borne-là, à partir du moment où vous avez l'impression que vous allez contre cette démonstration-là, vous êtes à côté de l'objectif. Puis c'est pas facile, moi certainement vous le savez, moi je suis un vieux patient, je suis un hémophile sévère, je suis dans le système de santé depuis plus de 49, presque 50 ans maintenant. J'ai été contaminé dans les années 80 par le VIH et l'hépatite C, j'étais un activiste sida pendant des années. Quand j'étais un activiste sida fin des années 80, début des années 90, c'est pas du tout ce que je faisais, j'étais pas en train de mobiliser mes savoirs. Je mobilisais mon action et mes revendications, parce qu'on était tous en train de mourir dans des conditions catastrophiques. Ce n'est pas la même posture qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est ça qui fait qu'on passe d'ici à ici. Ici nous maintient dans un rôle, les approches centrées. C'est pour ça qu'en ce moment, on est très, très critique vis-à-vis des approches centrées. Non pas parce que c'est un mauvais système, mais c'était une étape nécessaire au partenariat. Mais maintenant, il faut passer à autre chose. C'est que tout simplement, cette approche-là ne se concentre pas sur la valorisation des savoirs des patients. Et on pense et on est convaincu aujourd'hui que c'est la clé. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on retrouve notre place ici à part entière dans l'équipe de soins. En passant, la bonne nouvelle, c'est qu'Agrément Canada, il y a à peu près un mois, a changé sa définition d'équipe de soins, comme nous, on l'avait fait il y a 10 ans. Et maintenant, le patient et sa famille est considéré comme un membre à part entière de l'équipe de soins dans la définition d'Agrément Canada, ce qui est considérable et ce qui ouvre la porte. Donc, c'est normé. Maintenant, c'est normatif. Donc, c'est sûr que ça ouvre la porte à beaucoup d'expérimentations intéressantes. Donc, la question du partenariat en tant que tel, c'est vraiment la complémentarité, la complémentarité de ces savoirs. Puis la question qu'on s'est posée au départ, c'était comment on les qualifie, comment on qualifie cette expertise? C'est quoi cette expertise? On n'avait rien. On n'avait rien, on partait sur rien. On partait peut-être les spécialistes en éducation qui sont derrière sur les compétences tacites. Il y a quand même toute une littérature sur les savoirs et les compétences. C'est pour ça d'ailleurs, en passant, qu'on est né dans la faculté de médecine à l'intérieur du centre de pédagogie. On est issu des sciences de l'éducation parce que la question de fond, c'est la question des savoirs, des expertises et des compétences. Et donc, une des premières choses qu'on a faites rapidement, et c'est là où Luigi Flora a joué un rôle majeur, en fait, on a eu la chance d'avoir deux très belles thèses de doctorat
début des 2000, dans les premières années où on a commencé, qui finalement, Luigi Flora, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interviewé 20 patients à peu près dans le cadre de sa thèse de doctorat, des patients très expérimentés, puis il a regardé est-ce que ces patients-là avaient des compétences communes, est-ce qu'ils développaient des compétences communes indépendamment de leur contexte de soins, de leur pathologie, etc. Donc, parce que c'est sûr, qu'est-ce qu'on nous dit généralement dans le système de santé? Qu'est-ce qu'on va dire? On va souvent dire, bah oui, on va amener un patient, mais tous les patients sont différents. Ouais, non. Oui et non. Hein, tous les médecins sont différents, mais les médecins ont un point en commun. Les patients sont différents, mais on a un point en commun. Donc, il ne faut pas tomber dans ce discours-là, parce qu'il est vrai, puis il est faux aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui nous rassemble, on vit des expériences communes, et c'est la magnifique thèse de Luigi Flora a amené la démonstration qu'effectivement, il y avait une quinzaine de compétences que les patients partageaient indépendamment du contexte de vie avec la maladie. Et c'est là, et ce que Luigi a appelé à l'époque, l'expertise des compétences qui sont reliées à l'expertise de la vie avec la maladie, qui avait déjà été abordé dans la littérature, dans certaines expériences avant, mais jamais aussi concrètement que ça. Puis quand Luigi a fait son doctorat en France, quand il est venu faire son post-doctorat ici, il a continué, d'ailleurs avec certains patients, je pense qu'ils sont ici, à agréger, on a continué à améliorer le modèle, et c'est là où on a bâti, on a finalisé son fameux cadre de compétences que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc vraiment, encore une fois, c'est le cœur. Donc si je reviens un peu à ce que vous avez amené tout à l'heure, tout ce que vous avez amené tout à l'heure est vrai. Il faut avoir, mais ça, c'est le baseline du bon pédagogue. Mais le fondamental du partenariat qui nous unit à nos duos, à nos tandems, c'est la reconnaissance mutuelle du savoir. Puis c'est ça qui va nous frustrer généralement quand on va enseigner, puis qui vont nous tasser ou qui vont... je pense qu'on a tous vécu à un moment ou à un autre dans les tandems, cette espèce de petit jeu où... on a au départ, surtout dans les débuts du tandem, il y a une espèce de manque de reconnaissance. Le duo clinicien, il ne sait pas trop ce qu'on fait là, puis qu'est-ce qu'on va amener. Puis nous, on est un peu, généralement, on va être un peu très en humilité, des fois un peu trop, dans le sens qu'on va rester tranquille, puis on va comme progressivement faire notre point. Mais quand on fait notre point, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on fait notre point, à chaque fois qu'on ouvre la bouche, on démontre aux étudiants. On crée le partenariat, parce que ce n'est pas juste le partenariat avec le tandem, c'est le partenariat avec du tandem au service de l'apprentissage des étudiants, au service de la création d'un partenariat de formation avec les étudiants, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre la bouche, on fait la démonstration de la pertinence de notre savoir. C'est encore une fois, c'est rarement notre opinion en tant que citoyen général. Parce qu'eux-mêmes ont ça, puis on pourrait rentrer dans des débats sans fin là-dessus. Ce qui va les allumer, c'est de se voir qu'effectivement, de reconnaître que dans la relation d'enseignement, parce que le patient formateur amène des savoirs valorisés, eux, ce qu'ils se disent dans leur tête, c'est « Ok, ça peut être aussi ça un patient. » Puis quand ils vont retourner dans les milieux cliniques, leur regard possiblement va changer parce qu'ils ont vécu cette expérience-là dans un cadre protégé pédagogique. C'est ça l'objectif qu'on a. C'est de faire vivre l'expérimentation d'un échange de savoir dans un milieu protégé. On est ici dans une posture pédagogique. Donc, il faut toujours qu'on trouve des moyens pour que la façon dont on va mobiliser notre expérience et nos savoirs puisse permettre aux étudiants de progresser. Si on était, par exemple, on fait aussi du développement professionnel continu, donc qui s'adresse aux professionnels en exercice, le défi pédagogique est le même. Mais effectivement, on peut changer la posture, on peut aller un peu plus loin parce que c'est des professionnels en exercice, puis ils sont capables, c'est-à-dire que le fait des fois de les confronter un petit peu, d'aller un petit peu plus sur le volet défense de droit, on peut se le permettre. Mais encore une fois, faut faire très attention. Puis il faut surtout se rappeler que dans la santé, une des raisons pour lesquelles l'engagement des patients, notamment en éducation médicale, mais aussi en recherche, un des points communs, n'a pas fonctionné dans les 20 dernières années, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu des essais. C'est parce qu'on n'a pas fait, c'est parce qu'on n'a pas fait la distinction entre revendication et partenariat. On n'a pas fait la distinction dans la posture que l'on prend. Encore une fois, moi, j'étais un activiste sida, c'était assez virulent à cette époque-là.
j'ai revendiqué un savoir sociopolitique. J'avais des opinions, je savais qu'il y avait des choses qu'il fallait faire bouger dans la société. Donc j'étais dans un mode qui n'était pas dans un mode expérientiel où j'utilisais mes savoirs de la vie avec la maladie pour rentrer dans un processus de co-construction. Je n'étais pas du tout là. On avait des opinions, on avait une évaluation d'une situation, on était représentatif d'un collectif. Ce qu'on n'est pas ici, on n'est pas représentatif d'un collectif, on est représentatif de notre propre expérience. Hein. Et donc, on est dans une logique vraiment de revendication, de confrontation quand on est dans ce mode-là, alors que quand on est dans le mode de mobilisation des savoirs issus de l'expérience dans un mode de partenariat, on est vraiment dans un mode de co-design et de co-création. On ne peut pas être les deux à la fois. L'exemple typique du mélange de ça qui a énormément nuit au développement de l'engagement patient, c'est en France. En France, le milieu associatif patient est extrêmement fort, extrêmement puissant. Et ils ont mis du temps avant de faire cette distinction-là. Dès qu'on aidait, par exemple, les Français ou Luigi à mettre en place des comme on est en train de faire là, les associations de patients rentraient là-dedans, s'imposaient et se retrouvaient dans des postures pédagogiques à faire la défense de droit. Faites ça avec des étudiants en médecine, là, vous allez voir, ça va s'arrêter aussi vite que ça a démarré. Mais on peut passer le même message, on peut arriver quand même à les faire évoluer dans ce sens-là, mais bien entendu, il faut garder notre posture pédagogique. Alors bien entendu, là, on joue, effectivement, quand on exprime notre savoir, auquel ils n'ont pas l'habitude forcément, ou ce n'est pas courant qu'ils fassent face à ce savoir-là, on les fait rentrer dans un processus de déconstruction, mais pas dans le cadre d'un argument rhétorique, dans le cadre de l'exemplarité de notre expérience. La distinction, elle est majeure. Parce qu'on est des pédagogues, on est avant tout des pédagogues. Et c'est sûr que des fois, on va bouillir là. C'est sûr que des fois, on fait face, et c'est ça qui est difficile dans ce qu'on fait, c'est qu'on fait face à des réactions qu'en tant que patient expérimenté, on fait face dans les soins aussi. On les reconnaît. Mais quand on est dans cette posture de pédagogie, c'est là où l'humilité s'exerce, c'est là où la capacité d'empathie s'exerce aussi de notre côté pour accepter la tension. Et puis, à faire confiance qu'effectivement, l'exemplarité de notre savoir, la capacité à partir de notre savoir de pouvoir éventuellement, peut-être, les faire juste, changer un peu de perspective, un peu de lecture, faire twister leur grille de lecture, va avoir un effet. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être là, peut-être demain, peut-être après-demain. L'important, c'est qu'on reste dans cette posture. Parce que si on pousse trop loin, on va défaire le lien assez rapidement, merci. D'autres questions, ça va? Ok, donc ça, c'est vraiment la base, la difficulté. Et d'ailleurs, c'est assez représentatif dans les associations de patients, si on regarde les pouvoirs patients dans leur ensemble, il y a ces distinctions-là. Hein. Donc, par exemple, on a fait ici un schéma où vous avez, donc dans les associations de patients, dans les groupes de patients en général, il y en a qui vont travailler plus en logique de partenariat, donc de logique de co-construction. Et puis à l'autre bout, il y en a qui vont travailler plus dans une logique de défense de droit. Hein, donc il y a cette étendue-là. Alors des fois, par exemple, on dirait que les comités d'usagers vont être plus en défense de droit, mais ils ont aussi dans leur mission un devoir d'amélioration continue. Ce qui fait qu'ils sont un peu sketchés. Puis c'est là où la loi a été comme pas forcément très bien pensée quand ils ont été créés. Mais on ne pourrait pas les mettre complètement ici. On les a mis d'ailleurs un peu plus là parce qu'ils ont quand même une mission de co-construction qu'ils ont du mal à assumer. Puis l'autre axe, c'est qu'il y a des groupes de patients qui vont livrer des services, hein, qui vont aider les patients, d'autres patients. Et puis il y en a qui vont vraiment travailler plus sur l'amélioration des services. Donc nous, on va se situer beaucoup ici. On est en logique de partenariat dans une optique d'amélioration, d'évolution du système de santé. Quand on a une influence sur des étudiants, dans un mode de réflexion, c'est parce qu'on veut faire évoluer leur pensée. Puis quand ces gens-là vont être cliniciens ou même gestionnaires, bah, ils vont voir les choses différemment et on investit dans l'avenir quand on est ici puis qu'on donne nos cours. Dans une optique de partenariat ici et d'amélioration des choses. Quand on est d'une association de patients militantes, comme dans laquelle j'ai été quand j'étais activiste SIDA, elle va être beaucoup, beaucoup ici dans la défense de droit. Des fois, elle va offrir des services aussi à sa population, ou des fois, elle va être beaucoup dans la revendication auprès des gouvernements, etc. Puis ceux qui sont dans la revendication auprès des gouvernements, qui sont des groupes de pression, on va les retrouver ici.
Donc il faut vraiment faire, et la distinction la plus importante, c'est logique de partenariat, logique de revendication. Par exemple, nous ici, on est à peu près ici, là, le comité d'amélioration continue avec les patients partenaires, les initiatives d'éducation, on est ici. PAN, c'est un groupe pan-canadien qui s'appelle le Patient Advisory Network. C'est un groupe de conseillers patients, de patients partenaires qui est en train de se fédérer à l'échelle canadienne. Peut-être que certains d'entre vous, il y a un chapitre ici au Québec. Si ça vous intéresse, on pourra vous envoyer les coordonnées. C'est assez intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Puis ils sont vraiment dans une logique de, pareil, de consolider les capacités de patients partenaires comme on fait, mais à l'échelle du Canada. Donc, ils sont vraiment dans cette logique-là. Ici, on a vraiment nos groupes de pression, beaucoup le Rassemblement provincial des comités d'usagers, encore plus le conseil de la protection des malades. Hein, le maître Brunet, là, quand vous l'entendez, il ne fait pas dans la dentelle, puis il n'est pas en train de livrer les services, puis il n'est pas en train d'être en partenariat. Il est vraiment dans la confrontation. Et encore une fois, c'est nécessaire, hein, c'est pas l'un vis-à-vis des autres, c'est des rôles nécessaires et complémentaires. La coalition Priorité Cancer aussi, qui est beaucoup plus dans la revendication, dans la défense, qui peut être ici, les communautés d'usagers qui sont là. Puis on a, par exemple, dans la logique de partenariat, on a les pères aidants, santé mentale, la QRP, qui est dans une logique de co-construction, mais qui donne des services. C'est des patients expérimentés en santé mentale qui accompagnent d'autres patients, donc ils sont dans une logique de service, mais dans une logique de partenariat. On a Cathy aussi au niveau du sida, hépatite C, qui sont vraiment des patients qui sont mobilisés pour transférer leur savoir à d'autres patients, et donc qui sont aussi dans cette logique-là. Et là, il y a la Société canadienne de l'hémophilie, puis on pourrait en mettre d'autres, qui sont des associations qui font à la fois du partenariat, à la fois de la défense de droits, à la fois de la pression sur les gouvernements, puis ils livrent aussi des services à leur population. Donc il y a des associations de patients qui font tout ça en même temps. Mais ça demande des niveaux de maturité extrêmement élevés. Je ne dis pas ça parce que je suis hémophile, hein. Vous allez dire que je suis en particulier. Donc nous, on est dans partenariat, on est là. Donc, partenariat, encore une fois, c'est complémentarité des savoirs, c'est la reconnaissance des savoirs et c'est comment, dans nos activités de formation et d'éducation, on mobilise nos savoirs issus de l'expérience pour avancer. Je vous rappelle que les conditions de recrutement, grosso modo, sont assez simples. C'est l'expérience, votre expérience. Vous êtes tous des patients expérimentés ou des familles, des membres. Quand je dis patients, bien entendu, j'inclus famille. Là, je le redis. Je mets un petit astérix sur patient, un petit astérix en bas de la page. Des fois, d'ailleurs, on devrait plutôt arrêter de mettre l'astérix et dire patient et famille. Mais bon, on s'est fait reprocher ça. Je me suis fait reprocher ça hier et la personne avait raison. Donc, c'est des patients et des familles très expérimentés. Donc, la base, c'est notre base de légitimité, ce qui fait qu'on n'est pas contestable. C'est parce qu'on a de l'expérience de soins. La raison pour laquelle, en 2010... Pourquoi moi, j'ai réussi à faire ça, à démarrer toute cette affaire-là à l'intérieur de la MEC de la santé, qui est une faculté de médecine? Pourquoi? Tout simplement parce que mon expérience de soins était indiscutable. Je suis un hémophile sévère, contaminé par le VIH, directement relié à l'affaire du sang contaminé. C'est le Trafalgar du milieu du système de santé. Ça a été une des grandes catastrophes du système de santé. Ils ne peuvent pas contester ça. Donc, ils ne peuvent jamais contester ma légitimité de patient. Jamais. Ils sortent même coupables par rapport aux hémophiles. Mais s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu cette solidité expérientielle-là, oubliez ça, j'aurais été liquidé dans les premières semaines. La légitimité de l'expérience, c'est ça qui nous tient. Ce n'est pas notre niveau d'éducation, ce n'est pas notre compréhension politique, ce n'est pas nos habiletés, c'est avant tout la légitimité de notre expérience. On est axé là-dessus. Pourquoi au centre d'excellence, il faut regarder les patients qui sont embauchés à temps plein, Alexandre Grégoire, petit cas clinique, double transplanté, foie, poumon, fibrose kystique. Allez contester son expérience de soins. Sylvain Bédard, double transplanté du cœur, patient avec problématique chronique d'arythmie, multiple problématique cardiaque, insuffisance, etc. Allez contester ça. Annie Descoteaux, mère de famille, a vécu les 14 premières années de sa fille, qui est ici d'ailleurs, quasiment à Sainte-Justine. Allez contester ça. Comprenez? Mathieu Jackson, pour ne pas l'oublier, mon compère hémophile. Donc aussi avec sa mère qui est ici, l'importance des mères chez notamment dans les maladies rares et l'importance de leur soutien. Bref, incontestable, ce n'est pas contestable. Si on n'a pas ça,
on n'a pas de légitimité. Notre légitimité, c'est celle-là, ce n'est pas d'autre. Et c'est ça qui fait la particularité du modèle de Montréal. Et je pense qu'honnêtement, tous les modèles, là, je ne vais pas rentrer dans les débats idéologiques, tous les modèles se vaut, blablabla, mais celui-là, c'est celui qui, pour la raison pour laquelle il perdure et la raison pour laquelle il fonctionne, c'est parce qu'on n'a jamais lâché là-dessus. Hein? Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à, OK, maintenant, ceci étant dit, c'est quoi les savoirs? C'est quoi les expertises? C'est quoi les compétences? Alors, on va rester au niveau des compétences aujourd'hui, parce que les savoirs, c'est encore un peu nébuleux. Il y en a certains qui travaillent là-dessus ici en ce moment, mais ça reste encore un peu, ça reste à préciser. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits actuellement sur la définition des savoirs produits durant la vie avec la maladie, mais on va rester sur la question de la compétence. Donc, les travaux de Luigi Flora qui ont amené trois grandes catégories qu'on peut, hein, c'est mis en escalier ici parce que ça va crescendo. Si on regarde ces compétences-là, c'est des compétences finalement, en bout de ligne, on pourrait les résumer comme étant les compétences de tout individu qui, dans sa vie, vit une rupture et se reconstruit. Que ce soit relié à une maladie, que ce soit relié à n'importe quel type de trauma, finalement, ça fait partie, c'est un processus émancipatoire. Hein? Puis c'est dans ce processus, on sait que la vie avec la maladie, on se rappelle à peu près tous, quand on en a un, de l'annonce de notre diagnostic, ou des fois, malheureusement, de la période assez longue de notre non-diagnostic. Donc, ça part souvent sur cette période-là qui est traumatisante, où on vit après une période post-traumatique de reconstruction, peu importe l'annonce. Et puis après, comment, finalement, on va à travers cet événement-là, puis les traitements, puis les accompagnements, puis les choses qui vont suivre, comment on va se reconstruire à travers cet événement-là. Alors, et qu'on soit en santé physique, qu'on soit en santé mentale, le processus est le même. La nature de l'événement ne va pas être la même. On sait à quel point, par exemple, les premiers événements traumatiques en santé mentale sont extrêmement traumatiques et les premières expériences en urgence psychiatrique peuvent être déterminantes sur notre capacité ensuite à construire du partenariat parce que c'est souvent extrêmement violent. Et donc, bon. Alors, c'est pour ça. Donc, ça commence là, puis après, c'est tout le processus qu'il y a là. La particularité, quand on est dans des... Beaucoup d'entre nous sommes dans de la comorbidité, donc on a vécu ça plusieurs fois. Moi, si vous m'aviez connu comme hémophile à 14 ans, je veux dire, j'étais en haut de la chose. J'étais capable de m'auto-diagnostiquer, j'étais capable de me soigner, j'étais capable d'avoir une vie relativement normale, etc., etc. À 14 ans, on m'apprend que je suis séropositif. C'est en 85. Je redescends en bas et j'ai tout à recommencer avec le VIH. Et on a fait ça souvent parce qu'on a commencé avec quelque chose, puis on développe d'autres choses. Puis à chaque fois, c'est ce processus un peu qui est un processus qui est très, très documenté dans la littérature, qu'on peut appeler résilience, post-traumatique, reconstruction. Bref, il y a plein de choses là-dessus. Et donc, c'est un peu ça l'axe, vous comprenez? C'est ça notre expérience commune. On est tous des gens qui sont venus d'assez loin, puis qui sont reconstruits et qui ont été capables de reconstruire leur réalité après un changement, après une expérience complexe, et puis on est comme là-dedans, plus ou moins tout le temps, où on a des périodes d'accalmie, puis ça revient, etc. Alors, qu'est-ce qu'on développe comme compétence dans ce cadre-là? Et c'est ça que Luigi Flora a mis en lumière. Le premier élément, c'est devenir partenaire de soins. Donc, dernièrement, il y a quelques mois, la Fédération des médecins spécialistes du Québec me demandait d'écrire un article sur, après 10 ans, qu'est-ce qu'on a appris sur le partenariat de soins? Et grosso modo, ce que j'ai mis dans l'article, c'est de dire, regardez, ce n'est pas ça que j'ai dit vraiment, mais c'est à peu près, c'est ça l'idée de fond, ils vont décoder, c'est de dire, n'importe quel individu qui vit une situation de rupture, une fois qu'elle est capable juste de passer un tout petit cran dans la reconstruction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de re-rentrer en partenariat. Elle essaye de remobiliser les ressources nécessaires pour sa survie. Donc, chez nous, le partenariat, c'est naturel. C'est naturel. C'est chez tous les patients, si on ne les éteint pas, si on ne les structure pas, devenir partenaire de soins, c'est un mouvement naturel, émancipatoire, qui n'est arrêtable que si le système nous structure pour l'arrêter. Grosso modo, ce que je disais dans cet article, c'est si ce qu'on a appris, c'est si vous ne savez pas quoi faire, médecin spécialiste, faites rien. N'influez pas sur la relation. N'essayez pas de nous mettre dans des boîtes, n'essayez pas de nous mettre dans des structures parce que vous limitez notre processus émancipatoire. Et ça, c'est les premières compétences qui sont ici.
Donc, qu'est-ce que ces premières étapes, ces étapes importantes où on va, justement, quand on dit on cherche des patients expérimentés, des patients réflexifs, c'est tout ce processus de réflexivité qui se met en branle à travers les compétences qui ont été identifiées. Se connaître dans la vie avec la maladie, tranquillement, en 14 ans, j'apprends que je suis séropositif. Je veux dire, il y a des construits sociaux, je faisais face à des construits sociaux. C'était en 84, le sida, c'était, je veux dire, on fallait pas le dire. Donc tu t'adaptes, tu cherches ton positionnement, t'apprends, c'est une maladie à l'époque, on savait pas très bien ce que c'était, donc on vivait beaucoup sur les symptômes cliniques. Donc on apprend aussi à s'habituer à ces symptômes-là, à rentrer en route, bon, etc. Donc on vit avec notre corps. Je pense qu'à partir d'un certain moment, tous, on commence à bien se connaître. Hein? On a une bonne idée de ce qu'on est, comment on réagit, etc. On devient des patients sentinelles. Hein, donc on apprend à se connaître dans la vie avec la maladie. Ça, c'est quelque chose, c'est une compétence que personne ne peut avoir pour nous. Elle est unique. Hein, elle est, dans sa nature, elle est unique. Pas dans la compétence est commune, mais sa nature est unique. Mobiliser ses savoirs expérientiels. Tranquillement, on apprend automatiquement. Les savoirs, on les développe automatiquement. On n'a pas besoin de nous les donner. Ça fait partie de notre capacité d'adaptation à la vie. On s'adapte, on apprend. On apprend aux 80, plus 98% des décisions qui sont prises par un patient, des décisions de soins, sont prises par le patient tout seul ou avec sa famille. Ce n'est pas pris dans les milieux hospitaliers. C'est nous, on prend des décisions tous les jours. Chaque décision amène une action, chaque action amène un savoir expérientiel qu'on va remobiliser continuellement. Donc on a ces savoirs-là, ils sont là, on les connaît. Ils ne sont peut-être pas tout le temps explicités, ils sont certainement souvent tacites, mais en travaillant par exemple ensemble, en apprenant à se connaître, etc., puis dans les méthodes de formation qu'on a, c'est ça qu'on essaie, c'est de faire prendre conscience qu'ils sont là et qu'ils ont une valeur. Les patients, on va souvent se dire qu'on est autour de la table avec plein de professionnels de la santé, on va dire « qu'est-ce qu'on fait là ?» Ben, on fait là parce qu'on a plein de savoirs. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais ils sont là. Alors, la mobilisation de ces savoirs, la reconnaissance et la mobilisation fait partie des compétences qu'on développe naturellement. On devient résilient, on s'adapte de plus en plus. Peu importe ce qui arrive, on s'adapte, des vieux patients qu'on est, on s'adapte à plein de choses. On est en processus d'adaptation tout le temps. Donc c'est pour ça aussi qu'on est avec des étudiants, on est censé pouvoir s'adapter facilement aussi, parce qu'on sait ce que c'est que l'adaptation. On redonne du sens à sa vie à travers les expériences, donc bien sûr... On va vivre une série d'événements traumatiques. Je veux dire, moi, l'annonce de ma séropositivité à 14 ans, je m'en rappelle au moins 5-6 fois par semaine. Ça fait longtemps, là, ça fait presque plus de 40 ans. Je m'en rappelle, non, 30... Je ne suis pas si vieux que ça. Mais on sait à quel point c'est déterminant, puis à quel point c'est des choses avec lesquelles on apprend à vivre, avec lesquelles on redonne du sens, avec lesquelles on joue à vivre avec nos frustrations, puis nos choses, mais on fait quelque chose avec ça, on recrée du sens autour de ces événements-là. Puis on est beaucoup ici à dire, je suis sûr qu'il y en a beaucoup ici qui pourraient dire, oui, on a eu une vie difficile, mais on a tellement appris, ça nous a tellement changé, on a tellement été capable de faire notre vie, elle n'est pas comme les autres, on sait ce qui est différent. Hein? Donc ça, c'est ça, redonner du sens à sa vie à travers ses expériences. Derrière, c'est et finalement élaborer son projet de vie et l'adapter au changement. On reconstruit à chaque fois, on se refait une image d'une projection. Moi, certains m'ont vu au mois de juin, je n'étais plus capable de marcher, j'étais quasiment en chaise roulante. Mon projet de vie, il était réduit à ça, court terme, plus rien. Il m'opère, ça fonctionne, je remarche, je retrouve toutes mes capacités. Ouh, ça se réouvre. Hein? Des fois, ça va se refermer à un moment. Possible, ça se réouvre. Hein? Donc, il y a beaucoup aussi cette capacité de toujours rester, créer du sens, mais créer du sens autour de ce qu'on a envie de faire, etc. Vous imaginez la richesse de tout ça? C'est, pour la société, des gens malades, c'est une chance. C'est pas un problème. Mais c'est vrai. Ça donne le goût d'être malade. Mais oui, moi je plains ceux qui sont pas malades. Vous rigolez, mais en même temps, pour ceux qui sont malades comme Mathieu, comme d'autres ici, comme toi, qu'on est malade depuis qu'on est né,
Une des questions, moi, que j'ai, là, j'ai guéri l'hépatite C, l'hémophilie, c'est en processus de guérison, il y a des thérapies géniques, le VIH, c'est contrôlé. Je me dis, mince, si un jour je suis guéri de tout, qu'est-ce que je vais être? Non, mais c'est vrai qu'on se pose cette question-là. On espère, non, je rigole. Mais voyez l'idée un peu. Hein, c'est, donc, on a beaucoup, par exemple, là, en ce moment, un des projets que moi j'ai en tête depuis longtemps, puis là, on n'a pas réussi à le faire marcher, mais on va le faire marcher. C'est quand on voit, par exemple, que les entreprises considèrent les personnes malades comme des coûts, un coût. Hein, alors que fondamentalement, s'il y a des agents de rupture dans les organisations, c'est des gens qui ont vécu des expériences différentes qui vont pouvoir amener quelque chose d'autre. C'est eux qui vont changer, qui ont plus de chances de faire changer les paradigmes et d'amener de l'innovation que des gens qui ont une vie normale. Alors, toute cette partie-là, c'est ça. C'est tout ce savoir, toute cette capacité qu'on développe à partir de quelque chose de traumatique et de le transformer en quelque chose d'autre, qui va être utile pour nous-mêmes. Puis c'est la première démarche, devenir partenaire de ces soins, c'est retrouver un équilibre, une sérénité, juste un amour de vivre au quotidien. C'est ça notre premier truc, parce que c'est la stabilité de la chose. Et une fois qu'on a ça, on passe dans le deuxième truc, qui est de redonner. Dès qu'on a passé, hein, ça démarre, c'est pas l'un derrière l'autre, ça va être ensemble, mais dès qu'on a retrouvé une certaine stabilité, une certaine confiance, qu'on a recréé du sens, qu'on est capable à nouveau de se mobiliser, qu'est-ce qu'on est, nous les patients? On est altruistes. On redonne, automatiquement. On est les personnes les plus altruistes de la société. Automatiquement, on veut redonner. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, il y a plein de gens qui s'impliquent dans des associations de patients, dans des comités d'usagers, etc., etc. On veut redonner. Pourquoi? Parce qu'on est conscient que le processus a été compliqué pour nous, puis on est capable de s'en sortir, mais on a été capable aussi de retrouver une stabilité. On est capable de reconnaître quand même que nos professionnels de la santé sont compétents, même si on navigue dans un système assez compliqué dans lequel on va se perdre et qui ne va pas forcément nous aider. Mais la relation, le lien de compétence est là. Et on redonne, c'est pour ça que vous êtes là. Hein. L'altruisme, ça a été beaucoup étudié dans les dispositifs de patients engagés. Après, on se raconte, on va parler, on va commencer à se réouvrir. Ici, on est vraiment dans la verticale, on est vraiment dans les compétences qui nous permettent de nous réinventer nous-mêmes. Là, on repasse dans l'horizontalité, on est capable de redistribuer vers les autres. Donc, on fait preuve, on a un altruisme quasi automatique. On se raconte pédagogiquement. On commence, alors au départ, on va se raconter, on va se déverser, hein, parce qu'on a besoin juste de s'exprimer. Beaucoup fonctionnent comme ça. Puis tranquillement, cette parole va devenir riche d'enseignement parce qu'on a envie que ce soit autre chose que centré sur nous. Donc on va commencer à en tirer quelque chose de juste au-dessus de nous. Hein, on va commencer à généraliser nos propos. On va commencer à juste faire en sorte qu'ils soient profitables pour plus. Donc c'est pour ça que la compétence qui a été développée ici, c'est se raconter de façon pédagogique. Pas se raconter pour faire pleurer tout le monde. Ce qui peut arriver, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas l'objectif. C'est se raconter pour qu'il y ait un message qui passe, pour que notre message passe. Et que, effectivement, et c'est là où les savoirs, c'est là où on prend tout ce qu'on a cumulé ici comme savoir et qu'on les ramène et qu'on les ressort et qu'on les donne, qu'on les ramène dans l'espace de partenariat. On communique. Communication, c'est automatique. On ne peut pas vivre, on n'aurait pas pu survivre à ce qu'on a fait sans communiquer. On est des communicateurs nés. Hein, on est ça. Alors, peut-être qu'on n'est pas tout le temps adroit, peut-être qu'on est maladroit, peut-être on va communiquer par la parole, on va communiquer par la musique, on va communiquer par les arts, on va communiquer par le son, mais on communique parce qu'on sort, on extériorise. Donc c'est aussi une compétence qui a été retrouvée commune à tous ces partenaires. Donc on ne doit pas avoir. Donc ce que vous avez dit est vrai au départ, c'est parfait, mais vous inquiétez pas, c'est naturel. Chez nous, c'est naturel. On est automatiquement altruiste, empathique, communiqué et à l'écoute. C'est vrai. Être réflexif et transmettre. Avec la transmission vient fondamentalement la réflexivité. Avec la communication à l'autre, l'effet de miroir, le fait qu'on se réouvre, on se réouvre parce qu'on est capable de recevoir aussi ce que nous renvoient les autres. Donc fondamentalement, quand on se remet à communiquer, c'est qu'on devient réflexif. Et on s'ouvre à être de plus en plus réflexif. Donc c'est une aussi. Et à partir du moment où on est réflexif, on redonne, on rentre dans un processus justement d'échange. Et c'est là où se construisent les vraies relations de partenariat dans une logique de réflexivité des partenaires et de retransmission dans un cadre réflexif.
C'est pour ça que c'est des fois difficile, effectivement, d'entendre certains discours ou certaines allusions, où des fois on va trouver que notre tandem, il est maladroit, ou les étudiants, c'est gros ce qu'ils disent. Mais c'est ça notre rôle, on encaisse, on est capable d'encaisser la chose, parce qu'on sait pourquoi on est là, puis on sait ce qu'on veut transmettre. Hein? Donc on avale, on a cette capacité d'avaler, et puis finalement, bien entendu, être à l'écoute. La verticalité, l'horizontalité, on redonne. Finalement, les derniers blocs de compétences, c'est le leadership. Les derniers blocs de compétences, c'est... Puis moi, je travaille beaucoup là-dessus, je réfléchis pas mal à ça en ce moment. C'est qu'en fait, de la vulnérabilité d'être malade n'est pas la passivité, mais n'est l'action. De la vulnérabilité, quand on est en problème, on tranquillement retrouve notre goût d'agir. Hein, on rentre en action, on exerce un leadership, on réinvente nos leaderships. Il y a des gens qui vont souvent dire, après avoir été malade, bah avant, ma vie n'avait pas trop de sens, j'étais là, j'étais un peu, je ne savais pas trop quoi faire. Là, je retrouve mes capacités de me remettre en action, de me remobiliser. Puis ça, on l'a vu chez ces patients-là. Effectivement, il y a une redécouverte du leadership. Donc, il y a une redécouverte de la mise en action. C'est pour ça, souvent, ce qu'on va dire dans nos cours sur la relation de soins, on va dire, écoutez, soyez pas contradictoires. Si vous voulez que vos patients soient en action, il faut que vous leur donniez un espace de prise de décision. S'ils n'ont pas de décision, ils n'auront pas d'action. Faites ça avec vos enfants, vous allez voir ce qui va se passer. Mais les patients, dès qu'ils ont cet espace de prise de décision, on va l'occuper et on va avancer et on va reprendre rapidement du leadership. Donc, on fait la démonstration aussi, parce qu'il y a un autre mythe dans la santé, et je sous-estime pas la condition de personnes vulnérables d'un point de vue déterminant de la santé, ça c'est sûr. Mais on va dire que tous les patients sont vulnérables. Oui, on est vulnérable, mais c'est pas pour ça qu'on est faible. Hein? Donc c'est pas la même chose. C'est oui, on va devoir être protégé à certains moments, mais on est capable aussi de sortir de l'action. Donc, le leadership, mobiliser ses expériences sociales et professionnelles, c'est ça qui est bien aussi avec vous, c'est que quand on commence à restabiliser, à retraire aucune action, on a tous une expérience de vie aussi qu'on va être capable de ressortir et de ramener comme un levier. Assumer un co-leadership, on va être capable de partager le leadership parce qu'on connaît la vertu de travailler en collaboration. Accompagner un individu ou un groupe, c'est ce que vous faites. On est par l'expérience qu'on a, on va être naturellement capable de gérer des dynamiques. Analyser des situations relationnelles de différents niveaux de complexité, on a une bonne idée de ce que c'est que la complexité. On en a vécu à profusion. Puis on s'en est sorti. Pas tout le temps, mais dans la majorité des cas. Donc la complexité, c'est pas vrai qu'on la comprend pas. Puis encore une fois, ça n'a rien à voir avec le niveau d'études, ça n'a rien à voir, c'est la complexité de la vie, on la connaît, puis on est capable de sortir de ces complexités-là. C'est ce que ce cadre-là aussi a démontré. Et finalement, naturellement, on retisse des réseaux, on retisse des liens d'amitié, etc., etc. Verticalité, horizontalité, puis monter en puissance dans un rôle de leadership. C'est ça, le continuum de développement de compétences des patients partenaires. Mais encore une fois, c'est le développement de compétences d'un individu qui s'émancipe ou qui retrouve du sens dans sa vie à partir d'une rupture, etc. C'est beaucoup ça qu'on vient amener, c'est beaucoup cette démonstration-là qu'on vient faire, et c'est pour ça qu'on est capable de faire ce qu'on fait et d'être dans des positions de pédagogue sans avoir un background de professeur ou autre, mais qu'on est capable de le faire. Puis c'est ça qu'il faut qu'on protège. Ce qu'on veut protéger, c'est cette identité-là. Il y a un pendant négatif à ça. On est des humains là. Hein, on n'est pas des surhommes. Des fois, on va tomber dans des excès. Mais l'essentiel, il est là. C'est ce qu'a démontré l'étude de tous ces patients-là. Et c'est sur là. Quand on recrute nos patients, on les recrute. C'est ça qu'on regarde quand on vous passe en entrevue. C'est ça qu'on regarde. Est-ce qu'il y a la base là? Est-ce qu'effectivement vous êtes, est-ce qu'on est partenaire de ces soins? Parce que pour expliquer le partenariat, faut minimalement l'avoir expérimenté. Ça ne veut pas dire qu'on est des yes men sur tout là. Être partenaire, ça ne veut pas dire qu'on est un bon patient. C'est pas un patient qui dit oui à tout là. C'est un patient qui est réflexif, c'est un patient qui se connaît, c'est un patient capable de se positionner, de gérer la complexité, de tisser des réseaux, etc., etc. C'est pas pour ça qu'il est d'accord avec son professionnel. Hein? Mais c'est ça qu'on évalue. On évalue toute cette capacité-là, cette capacité d'entreprise d'action, puis éventuellement cette capacité de leadership.
Est-ce que ça va? Oui. Voilà.